Hey! Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour Final Fantasy X HD. Ça faisait longtemps que je vous en avais parlé. Je cherchais en fait un bon moment pour faire la vidéo. Et ce moment, il est arrivé, hein, parce que j'ai l'équipe au complète. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter un peu vite fait les menus. Tant que je suis là. Donc, les sphériés, c'est pour augmenter son personnage. Mince. Donc comment on fait encore? Voilà. Donc voilà, donc ça c'est tous les caractéristiques des personnages, donc pour les faire augmenter. Après objets, bon bah ça c'est les objets, hein. Compétences, ça c'est les compétences que nos personnages ont. Overdrive, ça c'est. Je vais t'expliquer ça en combat. Équipement, c'est l'équipement de personnage. État, c'est personnage, qu'est-ce qu'il a? Donc en force, en constitution, magie. Donc ça, c'est complexe. Et chimères, donc les chimères, je vous expliquerai ça quand j'aurai du temps, parce que c'est quand même assez long. La formation, c'est qui on veut avoir en combat. Modifier, c'est pour modifier les armes et les compétences. Configuration et aide, ça, on s'en fout. Bref, donc Final Fantasy X, ça c'est longtemps, car il est sorti en 2002. Lady Yuna, it is good to see you made it through safely. Jeu sorti en 2002, développé, édité par Square Enix. C'est le 10e épisode de la saga Final Fantasy, donc encore une fois une histoire différente. Donc on incarne Tidus qui, après un accident qui s'est passé dans sa ville, arrive à Zarmakan. Et This road leads to Bevel. Donc on incarne Tidus, donc qui vient sur Spira après un accident dans sa ville à Zarmakan. Et il ne comprend pas, bah, il comprend pas ce qui se passe parce que ici c'est pas pareil que chez lui. Et il va rencontrer toutes ces personnes avec qui il est là. Il va aider Yuna, car Yuna est une invoqueur. Et en fait son but est de tuer, de battre Sin. C'est de battre Sin pour laisser tranquille, pour que Spira soit tranquille. Donc, attention, un fossile mutisme. Okay. Ouais. Apparemment, il aime pas la glace. Ouais. J'ai pas préparé les armes qu'il faut. Alors. Génial. Alors là, je fais un peu de la merde. T'es pas mort, t'es sérieux? Bon, toi, t'es mort par contre. Non. Bon. Là, t'es mort. Ensuite, donc là, vous voyez, le système de combat est assez particulier puisqu'on peut changer de personnage en plein milieu. Certains personnages ont diverses compétences, par exemple Tidus attaque tous les ennemis, on va dire assez faibles, normal. Kimari aussi, il peut aussi aspirer, il attaque Ryuken qui permet d'aspirer des HP et des PM et des MP aux cibles. Lulu c'est la mage noire, Yuna c'est la mage blanche et l'invoqueur, donc elle peut soigner et invoquer des chimères. Riku c'est la voleuse. Et Waka attaque toutes les cibles qui sont en l'air. Donc là je prends Yuna, technique, non, ça va. Magie blanche, donc Isuna. Normalement ça marche. Ça marche. Aïe. T'es mort. Ah, ok. Bon là t'es mort. C'est quoi? T'aimes pas le feu, ok, bah, je vais t'en donner du feu. Voilà, donc c'est un système de combat moi que j'apprécie énormément. Il est pas. Voilà, il. Moi je le trouve très bien. Contrairement au dernier. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est quand même.
qui date, hein, vu qu'il est de 2002. Vu que c'est, je pense, l'un des meilleurs Final Fantasy, en tout cas le meilleur Final Fantasy sorti sur PS2, bah, Square Enix a décidé de le sortir en version HD. Il y a aussi des rumeurs comme quoi Final Fantasy 7 sera en HD, par contre je kifferai à mort. Je peux pas vous faire un let's play de ce jeu parce que ce jeu est vachement long, on peut le finir, enfin, on peut finir le solo assez, enfin, pas le solo, mais le truc principal assez rapidement. Mais pour finir tout ce qui est annexe, parce qu'il y a aussi les chimères purgatrices, enfin, c'est tout est long à expliquer. D'ailleurs, en parlant de chimères, je vous ai pas expliqué les chimères. Donc, les chimères sont des êtres que seule Yuna peut invoquer, justement, elle doit aller en pèlerinage dans 7 temples pour avoir 7 chimères pour ensuite avoir l'ultime chimère pour battre Sin. Donc en fait c'est ultra compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui c'est vrai, équipement, Tidus par contre là, c'était quoi encore? Je crois que c'était la glace qui s'aimait pas. Je sais plus si c'était la glace ou... On va prendre celle-là. Vous voyez les différentes armes changent zéro attaque. Elles changent juste les compétences qu'on peut avoir. Par exemple celle-là, attaque physique plus 8. La protection c'est pareil. Ouais, toi, t'as. Que dalle, Kagero, et celui-là il est meilleur, je sais pas pourquoi. Ah. Guardian should fight, not think. What are you talking about? Bon, Non. Pourquoi? Arrêtez de focus un peu. Alors, je sais pas si c'est. Ah, du coup, ça change. C'est quoi ce délire là? Magie noire. Je crois que c'est la glace sur eux qu'il faut. Bon, je teste. C'est pas sûr. Hein. Vous avez raison. Ouch. Les overdrives, si je vous en parle, j'en ai pas parlé. Les overdrives sont des coups ultimes pour chaque personnage et on peut débloquer différentes manières. Enfin, on peut avoir différentes manières de tout simplement de les avoir. Par exemple, Tidus il arrive que je suis... Ok. Par exemple, Tidus Tidus et Euron, c'est combativité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il frappe un ennemi, il gagne de l'overdrive. Et Lulu, c'est colère à chaque fois qu'un autre membre de son équipe se fait frapper, elle gagne de l'overdrive. Non, il est mort quoi, merde. Lui, il est mort. Et c'est pas possible, mais crève. Voilà. Et à la fin de chaque combat, on voit les niveaux qu'on peut débloquer. En fait, c'est pas des niveaux, c'est juste des déplacements sur la sur le sphérié que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, là, Luna, elle est où? Je suis pas le pro de cette Final Fantasy. En fait, j'ai joué qu'une fois à Final Fantasy X, donc ma mémoire est pas trop. Je m'en souviens plus trop non plus. 10-2, parce qu'il y a aussi c'est FF10 et 10-2 dans le pack HD. Donc 10-2, je vous montrerai ça une autre fois parce que j'aimerais bien finir le 10 avant de me refaire le 10-2.
Il y a aussi des extensions. Il y a une extension de Final Fantasy X et une extension de Final Fantasy X-2 qui était sortie, il me semble que... elle était sortie que... Oh, c'est... pas aux États-Unis, au Japon. Au début, j'étais un petit peu frustré qu'ils aient osé, enfin qu'ils aient changé la musique de combat, mais bon. Toi, t'aimes pas, il aime pas la glace. Il aime pas la glace. J'ai pas une balle qui fait attaque glace. Magie noire. Ah, ça, oui, ça fait feu. Ah, non. C'est la foudre. Par contre, moi, bon. Naver Media a failli tomber. Alors, magie noire, donc foudre. C'est lequel le prochain attaqué, c'est... Donc comme vous voyez en haut à droite, il y a le tour de chaque personnage et ennemi aussi. Et j'aurais dû faire un foudre plus. Oh purée. Masse dégâts. Et bon, me la focus. Hop. Bon, allez, je vais vous montrer la chimère. Donc ça c'est Ixion, c'est la troisième chimère qu'on obtient. Il y a aussi Ifrit. Comment il s'appelle? Valfor. Il me semble il y a Léviathan, Bahamut, Shiva. Anima. Je sais plus. Si on a loupé une, oh, je sais pas. Alors. Donc là, pareil, hein, quand il me frappe, ben, il faut augmenter mon overdrive. Et là, je l'ai. Donc si j'ai fait ça, c'est pour vous, hein, parce que normalement, je pourrais pas. Merci, Ixion. Bon. Donc là, je ne sais plus dans quelle forêt on est. Il y a pas vraiment de ça. Forêt de Macalania. Donc, on va au temple de Macalania. Pour avoir, oh, pour avoir la prochaine chimère. Donc le jeu, no, c'est problem. Vrai. Oh, tu m'étonnes. Donc c'est vrai que le jeu est quand même assez linéaire. Comme vous le voyez, hein, il n'y a pas 30 000 chemins. Par contre, j'aimerais bien savoir quoi t'es, toi t'es faible. Ah ouais, c'est vrai, la cochie. Alors, Titus. Par contre, j'aimerais bien garder cette épée, donc je vais frapper quand même avec cette épée. Alors... ah, il manque pas d'esplair, donc j'attaque. Ah oui, toi, non, non. Technique, non. Spéciaux, nécessité. Donc cécité, ça inflige obscurité et ça a marché. Génial. Brasier plus, ça avait plutôt bien marché, donc on va recommencer. Raté. Ah, y'a qui d'autre? On va attaquer tout de suite. Donc là, j'ai fait bien, vachement bien mal. Bah, il est déjà mort.
thinking isn't solving anything. Ouais, donc je vais par là. Je sais pas si c'est dans cette zone ou pas qu'il y a la célèbre scène dans l'eau avec Yuna. J'espère bien, comme ça je vous la montre en même temps. Donc ça fait du bien de revenir sur FF 10. C'était encore l'époque des bons FF. Après le 12, j'ai pas du tout aimé. Le 13, j'ai pas du tout aimé. Enfin, pas du tout aimé, non, c'est surtout sa linéarité et qui m'a vraiment déçu au 13. Là, celui-là est linéaire, mais il y a quand même encore, je trouve, pas mal de liberté. Dans FF 13, on est vraiment. On dit, il y a un tel nombre d'ennemis là, ils peuvent même pas respawn à part si tu sauvegardes, tu reviens en arrière après. C'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Pourtant, l'histoire est vraiment intéressante du 13, hein, mais les épisodes 13, j'ai vraiment pas trop aimé, hein, qu'on soit d'accord. Par contre, il y a un truc en gris là, je sais pas si. Ah, Bartomello, je sais pas quoi. Have you seen Donna? Donna? Can't say I have. What's up? Elle a disparu. We got separated on the way here. Damn it all! I've gotta find her! Calm down. But if anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. But... Guard your emotions. Then guard your summoner. You're right. Shall we search? No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Aran. Donc je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil. Donc, what's up? Voilà. Oh, I just wanted to wish him good luck. Et j'ai pas envie de vous spoiler. This'll be easy. Ouais, tu me donnes. Non. Là t'es mort. Voilà. Voilà. Et toi, c'est quoi encore? C'est de la foudre, vu que t'es un truc de... Ah. What? Sérieux? Il te reste combien de PV? Voilà. Gloire. Alors, je sais plus ce que ça fait, Gloire. Alors, je vais regarder tout ça tout de suite. Donc, Tidus. Ah, c'est un type de overdrive. Gloire, donc, combativité. Donc voilà, au début, on était en vengeance. Donc, à chaque blessure infligée par un ennemi. Ensuite, ça. Et à chaque ennemi vaincu. Je préfère quand même combativité. Ça me paraît plus. Parce qu'à chaque ennemi vaincu, on peut avoir chaque fois un ennemi. Ça arrangerait pas les choses pour la transcendance. Je trouve. Enfin, la transcendance, j'ai l'habitude de dire sa transcendance avec FF14. Mais en vrai, ça s'appelle une overdrive. Merde! Oh putain de merde! Oh! Fuck! Ça, c'est une chimère, ça. Il résiste au feu ou. Sensible à l'obscurité, mutisme. Je pense que je vais lui foutre obscurité parce que je sens que ça va attaquer fort. Eh, ça a marché. Ouais. Alors, j'ai par contre là, émousse. Je sais pas si c'est de l'attaque magique ou de l'attaque physique. Là, il m'avait dit feu.
What? Seulement? Et c'est de l'attaque magique. Ok, Got you covered. C'était quoi? C'était. C'était. Ah ouais, oh. Oh, bah, c'est stylo. Hein. De toute façon, ça marchera mieux. Parce que du 200. Non. Ah non, si je le soigne, je pète un câble. Hé raté. Non mais c'est... vraiment résistant. You place too much trust in your magics. Voilà. Alors j'espère que je vais pas fail. Parce que j'ai l'habitude de fail, je sais pas. Je l'ai eu. Mais il prend zéro dégâts. Seriously quoi. Là aussi, je vais pas faire fail. Voilà. Mais regardez ça, c'est pas possible. Oh là là. Ça, j'adore les combats parce que les combats sont quand même assez dynamiques, c'est vachement, c'est vachement bien fait. Miss me? Certains personnages servent à rien, donc c'est pour ça que je les prends pas en fait. Rêve. Putain, meurs. Meurs. Mais... non, c'est pas ça. T'attaques pas. Voilà. Allez, mais il veut pas mourir là. Je suis en pleine vidéo. Si elle dure 20 minutes, c'est de sa faute, pas de la mienne. Je parlais du combat, pas de la vidéo. Bon, il reste combien de PV là, sérieusement, parce que je suis un fan. Ah, il est presque mort. Bon. No problem. Là, à la fin, il est tué et décédé. Ah oui, c'est vrai que ça fait 200, putain. Tu ne frapperas pas encore. Tiens, voilà, du combat de chimère, c'est fait.
Et ça fait déjà presque 30 minutes, je suis dégoûté, j'ai pas pu tout vous montrer. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur d'autres FF. J'ai également le 7. Je vais pas tenter cette fois-ci, je vais pas perdre du temps. J'ai également le 7. Le 7 et toute la saga 13. Je n'avais avant, bah, du coup, je n'ai plus tout ce qui est. Tout ce qui est 8-9. Je n'avais plus. Mais je pense les reprendre sur. Sur. Le PlayStation Store. Je pense que je vais prendre le 9 parce que c'était vachement plus classe celui-là. Bref. Apparemment, je suis arrivé. Holiday prices on all items in sale. Initiative. Attaque magique plus 5, attaque obscurité, non. Balle de glace, balle physique. Ah, ça c'est intéressant. Oh. Non. Je passe ça, ça sert à quelque chose. Non. Too expensive. How bad? Ah, eh, mais ils vendent pas des terres. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je sais que c'était pas vraiment the best zone à vous montrer. Je... Chemin du lac. Écoutez, ce que je vais faire. Je vais avancer dans le jeu. Là, je fais une grosse ellipse. Et dès que j'ai la cinématique, si elle est là, dès que j'ai la cinématique, et ben écoutez, je vous la montre. Et ça conclura la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montrerai d'autres FF, c'est clair. Peut-être le 13, quand je serai dans les plaines, je vous le montrerai. Le 13-2, je vous montrerai. Lightning Returns. Je voulais faire une vidéo de test de Lightning Returns, je l'ai pas faite parce que le jeu je l'ai pas fini. Et je me suis dit, on peut faire une vidéo de test sur un jeu qu'on a pas fini. Ça paraît assez con. Donc, du coup, je l'ai pas faite. Si je le finirais, je le ferai. En même temps, j'ai pas trop envie d'y retourner, honnêtement. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Allez, ciao. I always thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me. Everything. Everything? Well, so then, you know. Yeah. I'm sorry. It's just, you know. All those things I said. Like, let's go get Sin, or about Xanarkand. I didn't know what would happen to you, Yuna. I guess... I hope it didn't make you sad. Forgive me. I wasn't sad. I was happy.
Yuna! Just don't do it! The pilgrimage? Yeah. That's right. Forget all about Sin. About being a summoner. Forget all of that. You know, live a normal life. Come on now, Yuna, what do you say? Maybe I will. Wouldn't everyone be surprised? Yeah. Except Riku. She'd be with you. Lulu and Waka wouldn't hold out long. Kamari would say yes, too, I know. But Sir Oren... I'll make him understand, Yuna. It's the least I can do for you. No. I should tell him. He deserves it. What'll I do if I give up my pilgrimage? Hey! Xanarkin! Let's go to Xanarkin! Not the one in Spira, the one I'm from! Yeah! We can all fly there! Everyone can go! Then, we'll have a big party at my place! And then we could see Blitzball. That's right. Your Xanarkand Aves would play? Yeah. We could all watch you play, in the stadium all lit up at night. I'd cheer and cheer till I couldn't cheer anymore. Yeah, right on. Well, what about after the game? We'd go out and have fun. In the middle of the night? No problem. Xanarkand never sleeps. Let's go to the sea. Before the sunrise. The city lights go out one by one. The stars fade. Then the horizon glows, almost like it's on fire. It's kind of rose-colored, right? First in the sea, then it spreads to the sky, then to the whole city. It gets brighter and brighter, till everything glows. It's really pretty. I know you'd like it. I'd like to see it someday. Well, you can, Yuna. We can both go. You... I can't. I just can't. I can't go. Yuna. 月が行く